Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3. Alors vous voyez que j'étais un petit peu à l'arrêt parce que je me suis dit que j'allais filmer cette partie. Voilà, on est en ruée sur la map métro. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite en ruée, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous la proposer en vidéo. Donc voilà, ça sera chose faite, elle sera là. Donc je joue avec un de mes abonnés, Abécho, qui est dans mon escouade comme vous pouvez le voir. Je joue avec le G36, donc en ingénieur. Il faudrait que je change un petit peu parce que là, ingénieur, effectivement, ça sert pas à grand chose. Il faudrait plus que je me mette en... peut-être en éclaireur pour avoir le C4, éventuellement piéger un peu l'endroit du... où il y a les relais. Alors, je sais pas s'il y a du monde ou pas. Ouais, il n'y a pas grand monde sur les serveurs. C'est un petit peu vide en ce moment. Vous voyez, c'est la deux ou troisième partie que je fais sur Battlefield là, et j'avoue que je suis surpris, c'est un peu vide. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde sur le jeu. Ce qui est assez étonnant, parce que d'habitude il y a quand même pas mal de monde. Et là, là c'est vide, hein, c'est le calme plat. Regardez-moi ça. 7 opposants. Et voilà, c'est pas la première partie, ça fait un petit moment. C'est les parties que je lance, puis que je quitte parce qu'il y a personne, tout simplement. Bon, ça a été désarmé. Ah, mais par contre, ils ont armé. Ah, oh, putain. Dites-moi que ça va être désarmé. Ça va. Donc c'est qu'ils arrivent, ça va. Donc le peu de monde qu'il y a sur le serveur suffit à rendre la partie un peu intéressante. Donc vous avez pu voir hein, qu'ils ont changé un petit peu avec le nouveau patch. Voilà, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur BF3. Ils ont un petit peu changé la grandeur des maps sur le... en match à mort par équipe. Donc là, autant être clair, ça va servir à rien. Je sais pas s'il est là, lui, il y est plus. C'était sûr qu'il n'allait pas faire le lapin là pendant 10 plombes. Et puis que là, effectivement, ils allaient l'avoir. Wow. Ouais, j'ai pris une balle. Donc, je vais vite me barrer parce que je pense que c'est un sniper. Voilà, la partie j'ai connu plus palpitant. Hein. Je sais pas s'il y a du monde qui rejoint. 9-9, ça va encore. Je dirais que c'est un petit peu équilibré. Donc ça va se passer là-haut. Ou pas. Les gars, attaquez cet objectif. Bah si, ça se passe là-haut, mais... Oh oui, bien joué. Très bien joué. Les deux là, franchement, autant le premier, je l'ai bien loupé. Hein. Bon là, à mon avis, A va péter. Ça m'étonnerait quand même que là, ça pète pas. Ah, putain. Et puis derrière, ils vont armer B. Allez, 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 allez. Ça va. Je vais acheter ma grenade là. Peut-être que je peux faire du kill. Oh putain, mais il y a du monde partout là. Un autre. Ouais, d'accord. Effectivement, il y a du monde partout. Donc là, la défense, autant dire qu'à mon avis, sur B, c'est mort. Ah, faut dire, je me suis un peu jeté dans la... un peu bien jeté dans la gueule du loup. Je vais changer d'arme tout de suite. Et là par contre je vais pas... Ah, si je vais tenter au fusil à pompe, je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée, mais bon. L'ennemi a posé une charge, terminé. Bloquez-vous, j'ai aussi une grenade. Hop. Oh mais merde.
Ah, je suis maladroit, mais maladroit. C'est fou ça. Allez. Arrête de me montrer le mec qui m'a tué, je m'en fous. Allez. Voilà. Bon bah du coup les deux ont pété. Allez, par contre je vais changer ça tout de suite. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben on va prendre l'UMP45 hein. Prendre le viseur laser par contre non. On va éviter. Viseur holographique par contre oui. Allez, le G18 et puis on va mettre du C4 hein. On va prendre du C4 parce que là. Et puis on va piéger un petit peu les. On va piéger les lieux pour éviter qu'ils avancent trop vite et qu'ils puissent venir éventuellement trop rapidement faire péter le truc. Allez, il est où? Il est là le relais. Ouais, allez hop. Un pain de C4 là, un pain là et un pain là. Et éventuellement un là. C'est-à-dire que là si ça arrive. Si ça arrive à amorcer, je devrais pouvoir détruire. Détruire, c'est pas détruire, je devrais pouvoir tuer assez facilement. Attention, l'ennemi a amorcé une charge. Mais merde, eh ben. Voilà. Donc là, le C4 a rempli son objectif. Voilà. Allez hop. Ma foi, on va repiéger un peu. On va même piéger carrément le. On va carrément piéger le relais. Donc, comme ça. On va en mettre un là. Un autre là. Ah bah bien joué. Bien joué, il m'a. Bah ouais. Il m'a bien fait péter la gueule avec mon C4 d'ailleurs. Hein. C'est bien mon C4 qui m'a tué. Allez, voyons voir un petit peu, je sais pas où il est. Attention, l'ennemi a placé une charge. Putain. Ils ont déjà placé celle-là. Allez, je vais essayer de voir si je peux passer là. Allez, je désarme encore. On va essayer. Allez, c'est bon. Attention, bon, encore une fois, par contre, je vais essayer de pas me faire avoir. Je pose des charges de C4. Donc là, il me semblait avoir vu quelqu'un. Normalement, j'ai. Enfin, je sais même pas qui me semblait, c'est qu'il y avait quelqu'un. Allez, on va essayer de passer là, voir un peu. Donc il y a quelqu'un là, par contre, je l'ai bien vu. Donc là, il est mort. Ça va. J'espère bien que ça n'a pas réussi à nouveau. Avenir AB, non, ça va. Allez hop, à nouveau une autre là. C4 en place. Une un peu plus loin là-bas. Voilà. Voilà. On va quand même essayer de défendre. Hein. Là, le but, moi, c'est vraiment. Je campe pas, hein, vous le savez. C'est quelque chose que voilà que je sais pas faire et que j'aime pas faire. D'accord, donc il avait déjà bougé. Très très bien joué de sa part. Alors il est où? Voilà. Oh putain, une mine. Bien joué. Oh, très bien joué de sa part. Bien protégé. Allez, désamorce, désamorce, désamorce. Ouf. Ça a été chaud. Très très chaud même. Hein. Par contre, ouais, j'ai été étonné de pas réussir à. Lui, il va venir là. Après, c'est là et là. J'ai à peu près vu comment ça se positionnait. Voilà. Une belle défense là.
Alors je sais pas bien. Allez, désarme. Voilà. Attention, charge ennemie désamorcée. Terminé. Attention, l'ennemi a placé une charge. Terminé. Mettez-vous à l'abri, ça va exploser. Allez. J'espère avoir le temps de désarmer avant de mourir. Ça va. Attention, la charge est désamorcée. Terminé. Donc c'est que ça passe, ça arrive à passer là. Ah ouais, mais en même temps, là, il y a un gros gros trou. C'est normal que ça passe. Et on va voir un peu. On va avancer un peu, on va essayer de... Bah, de les repousser un peu à la source. Ce qui serait pas mal. Je sais pas si je peux... Non, je vais pas pouvoir les prendre. Waouh. Lui, je l'ai vu, par contre. Lui, je l'ai vu. Bah, il a pas eu le temps de venir jusque là. Voilà. Pas toujours au même de mourir. Ouf. Le carnage. Ouais, ça s'appelle vraiment un gros carnage où je tire à côté, j'arrose tout à côté. Ah, écoutez, c'est plutôt, on va dire, un bon début de partie. Ouais, encore, j'ai connu mieux, hein, mais bon. Donc, pour le moment, ils ont toujours pas réussi à faire PTB. Moi, mon objectif, c'est d'essayer qu'ils n'arrivent pas à faire PTB. Alors là, ça va être compliqué, par contre. Oh, ça va, je l'ai eu. Je l'ai eu. Allez, encore une fois. Voilà. Bon, lui, c'est moi qui... Waouh, pop, 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 pop. Aïe, la grenade. Ah, ça m'a pas tué. Ah, lui, puis lui, il veut pas me... Voilà, nickel. Si lui, il voulait pas me tuer... Oh. D'accord. Oh, bah oui, mais là... Ah, là, j'irai apparaître à nouveau devant, effectivement. Et au moment, il fallait bien qu'il arrive à me tuer. Allez. Ah, je sais, il est où, lui? Oh, par contre, je vois que le nombre de tickets pour les assaillants est quand même assez élevé. Ça va être quand même assez compliqué de réussir à les repousser jusqu'au bout. Là. Oh, qu'est-ce que c'était là? La PKP Pêche-Neige. Pêche-Neige. Je pense que B va péter par contre là. Même, c'est même pas je pense, si je suis sûr que B va péter. Et, bien ouais. Et bien c'est bien ça. B a pété. Par contre, il faut se méfier parce que j'en ai vu un monter là tout à l'heure. Donc je pense qu'ils vont essayer de nous prendre quand même à revers. D'accord, hop. Oh non. Oh non, 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 non. J'ai attaqué, à tirer avant lui. Ah, je suis pas d'accord. Là, normalement, jamais, jamais, jamais il aurait dû me tuer, quoi. Enfin, allez, c'est pas très grave. On va protéger B encore une fois. Par contre là je vais mettre du C4 derrière. Parce que je pense que... Explosive hop en place. Hop. C'est bon, hop. C4 en place. Et hop. Je pose des explosifs.
Et par contre, à protéger B, on va se mettre un petit peu par là. On va attendre que... Bah, enfin, attendre. C'est pas vraiment attendre. Voir un peu comment ça évolue. Quand est-ce que ça va armer. Si ça va réussir à armer. Pour moi, le top, c'est que ça aille armer B tout de suite. Voyons voir un petit peu. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sens que ça va pas venir là. Allez hop. Donc là, ça va arriver par là, très certainement. Ouais, je suis assez d'accord avec mon partenaire là. Risque là. Ouaf. Voilà, c'est pas vraiment la peine de camper là. De toute façon, ça va arriver. On va se mettre là. Ouais, il n'y avait pas une trousse de secours tout à l'heure si elle est là. Allez, protégeons un peu. Il a réapparu sur moi, ravitaillement, ok. Allez, moi j'essaie vraiment de protéger les points, hein, de rester à proximité pour pouvoir tenter d'aller en désarmer un au besoin. Très bien joué. Joli coup, joli tir, là, y a rien à dire. Un petit peu de tir de prévention. Par contre, c'est ce que je crains, c'est que là je suis quand même vachement visible. Voilà. Attention, l'ennemi a amorcé une charge. Terminé. Ramasse ses munitions. Allez, go. Reculez, le C4 va sauter. C'est bon, le C4 a pété. Normalement, j'ai à peu près bien fait mon boulot. Je vais désarmer. Voilà. Bien joué, la grenade au fond là-bas. Ouh là par contre. Autant de balles, non, je suis pas forcément d'accord, mais. Waouh, waouh, waouh. Attention, l'ennemi a neutralisé l'objectif, terminé. Oh, d'accord. Ah ouais. Ah là, ça y va, oh. À la roquette carrément. Mais là faut se bouger les gens. Parce que de toute façon. Ouf, ouais d'accord. Je crois que j'en ai tué un. Ah, je suis pas sûr, mais alors derrière par contre, lui il a été très très bon. Hein, parce qu'il m'a vu à cette distance là. Ou alors il a tiré un petit peu. Un petit peu au pif et il m'a eu, ou alors si vraiment il m'avait vu à l'avance et qu'il a vraiment tiré là, c'est très très bien joué de sa part. Hop. Voyons voir un peu là. Voilà, je vais t'apprendre moi à camper. Là, bon, je me suis suicidé. J'avoue que j'ai pas bien compris parce que normalement j'ai dû faire péter au premier coup mon C4. Et en fait, ouais, j'ai pas bien compris là pourquoi je suis mort, mais bon. Enfin, le principal pour moi là, c'est vraiment de protéger B. Voilà, vache. Mais ça arrive de là aussi. Et donc là, c'est vraiment le moment de faire quelque chose. Il me reste, ouais, voilà, 10% de vie. En face, au lance-patate, là, je pouvais pas faire grand-chose. Allez, le tout. Putain, faudrait réussir presque. Presque, il faudrait réussir à les contourner. Je sais pas. Ouah, pff, bon, bah là, je repop. Enfin, pas au milieu, mais devant les trois types, là.
là, forcément, je remeurs. Une réanimation à cet endroit-là, j'avoue que c'est pas forcément le top du top, mais bon. Je pense qu'il faut essayer de passer par A et voir si on peut pas leur arriver légèrement dans le dos. Je pense que ça a déjà été tenté, mais... Parce que là, vous voyez... Là, je suis pas mal. J'ai réussi à les contourner, à arriver dans leur dos. Voilà. Par contre, derrière, après, moi, je peux pas m'occuper de derrière. Là, mon but, c'était vraiment de les repousser. Ces trois-là, déjà. Vous voyez, réussir. Finalement, j'ai eu vraiment une bonne idée. Et j'ai surtout réussi à la concrétiser, parce que avoir des bonnes idées. Ça, on en a tous. Mais après, réussir à la transformer en action, ça, c'est encore autre chose. Ouais, d'accord, là, c'est mort. Là, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Là, on peut vraiment dire qu'ils sont tous là. Je pense qu'à mon avis, B va pas faire long feu. Ouais. Ça m'étonne pas. Oh, là, il y a un people. Mais c'est un truc de malade. Hop. Là, je sais pas bien où j'ai balancé ma grenade. Hein. Vraiment, c'est vraiment sans conviction. Là, j'ai vu le type en face. Je l'ai bien vu. Oh, bien joué. Et ouais, comme j'étais en train de viser, le temps qu'il apparaisse, du moins au moment où il est apparu dans mon viseur, après le temps que je lâche pour pouvoir tourner après assez rapidement pour le viser, c'était mort. Donc là, on est en défense, mais c'est vraiment le dernier. Le dernier truc là, on pourra pas aller plus loin en défense. Oh la vache. J'avais pas vu lui en premier, j'avais vu le deuxième là-bas. Donc du coup, si vous au niveau du viseur, ça s'est pas forcément traduit. Mon regard, moi, était figé vraiment sur celui qui était au fond à droite là-bas. Donc du coup, après, effectivement, quand j'ai vu l'autre, c'était un petit peu tard. Ah, ça va arriver déjà là. Attention, l'ennemi a amorcé une charge. Terminé. On l'avait vu là-bas. Alors à moi de pas le louper, lui. Je sais pas où il est. Si, il est là. Oh, devant, derrière. D'accord. Ok, derrière j'avais pas vu. Autant devant, oui, mais derrière j'avais pas vu. Oui, putain, quand je vois le... Ah ben, il m'a quitté. Putain, le mec d'en face, le premier d'en face, il a quand même 9000 points. Quand même pas une baguette telle ou un malade. Ouais. Effectivement, c'est cuit. Non, honnêtement, la partie est très très mal engagée. C'est même... Pas que... Ouais, si, c'est mort, de toute façon. En plus, il y a trop de tickets. Là, c'est vraiment fait pour faire un carton et pour les assaillants. Parce qu'honnêtement, avec je sais plus combien de tickets au départ, c'est vraiment impossible à défendre. Voilà, j'ai réussi. Voilà, j'arrive à en éliminer là. Là, honnêtement, il y a vraiment trop de monde. On peut en éliminer un par-ci par-là, mais bon, voilà. Autant au début, j'arrivais dans le métro à bien défendre mon objectif, autant là. C'est beaucoup trop compliqué. Ouais, en plus il reste là, ça sert à rien. Allez, balance ta grenade là-bas, toi. Oh, j'allais dire, je peux en faire un dernier, mais non. Bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo, une vidéo un peu plus courte que d'habitude. On se quitte sur une défaite.
Ça, malheureusement, on choisit pas tout le temps. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si toutefois c'était pas fait. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3 ou Modern Warfare 3 ou enfin voilà, tout ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Allez, à très bientôt. Salut tout le monde!